devant le siphon 2 des jolies notes. Qui est derrière nous? On va tourner pour regarder. C'est juste impressionnant. Barbotage. Tu fais quoi là en ce moment, Steph? Je sais pas trop. Sans déconner, dans mon SMS? Ça passe pas là. Vas-y, pas. Je me filme pas là. On est parti là. C'est pas pour dire, mais là on est parti. Bon, ça va sortir tard. Je peux vous faire faire une ça. Steph, Steph, arrête d'être dans l'eau, Stéphane. Non mais oh, Stéphane, y'a pas de siphon. C'est Stéphane Lips là. Tu fais quoi?
Mais on est où là? Moi je suis jamais venu ici. Hein. Y a toujours des traces devant toi? Hein? C'est dingue! On n'est jamais passé là! Tu sais à quoi ça me fait penser, Steph? Ça me fait penser en Ardèche là quand on a creusé. Regarde là. Faut montrer les traces parce que c'est ça qui nous questionne. Est-ce que ça c'est une trace? Ça, est-ce que ça c'est une trace? Et est-ce que ça c'est une trace? Et ben moi je ne suis pas du tout sûr que ça ce soit des traces. Pour moi c'est pas des traces ça, tu vois. Peut-être ça le talon. Là il y a des traces du bâton de ski. Je suis au sommet de la grande salle de la dernière exploration qu'on fait. Et là, parmi les blocs au sommet, voilà ce qu'on trouve. Ça, c'est pas du tout normal de trouver ça sous terre, puisque ça, ça a l'air d'être du bloc erratique. Je vais pouvoir changer de lumière pour que peut-être ça soit mieux éclairé. Ça, c'est une question pour... Mon collègue d'Editem, est-ce que c'est un bloc erratique? On va faire une petite cassure. Ça a l'air costaud. On dit que c'était un schiste. Un très beau granit. Vraiment compact. Donc là, il n'y a pas de doute, ça c'est un granit. Donc on est dans les Invalides, probablement, mais toujours pas de jonction